propre version en fait d'idée. Ah oui, aujourd'hui je suis là pour vous présenter un modèle que j'ai eu à customiser. J'espère que la vidéo vous sera de très grande utilité. Surtout une chose, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter. Je vous envoie de gros kisses et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Là, c'est parti. Alors, à l'aide d'une craie, je vais venir diviser ma robe en deux. Comme vous voyez, et je vais la couper à l'aide des ciseaux. Ensuite, je vais venir aussi tailler la longueur de ma robe là où vous voulez. Moi, je la veux un peu courte, pas tellement, mais un peu courte. Ensuite, la partie du tissu que je vais enlever sur le bas de la robe, je vais venir faire des fronces. Je vous le ferai voir un peu plus en avant. Ensuite, sur la hauteur de ma robe, disons de ma jupe en ce moment, de la deuxième partie, je vais venir créer des plis. Comme vous êtes en train de constater, je vais coudre le tout sur la machine à coudre. Il suffit tout simplement de rabattre un peu de tissu de l'autre côté et vous obtenez des plis. À l'aide du fer à repasser, je vais m'en servir pour pouvoir bien ressortir mes plis. Le tissu que j'ai eu enlevé au bas de ma jupe, je vais venir bien repasser parce que je vais le diviser en deux pour pouvoir avoir plus de tissu. Vous savez que un compte est quand vous cousez un habit que vous avez le tissu. Un autre compte est quand vous customisez. Alors, il faut faire attention pour que vous ne soyez pas en manque de tissu. Je vais venir continuer à faire des plis comme je vous disais tantôt tout à l'heure. Je vais faire des plis, des plis, des plis, des plis et encore des plis. Et là, c'est le résultat obtenu. Je vais venir maintenant prendre mes plis que je vais fixer tout au long du bas de ma robe. Et le reste de plis, je vais venir le fixer à la hauteur de ma jupe, de ma robe, comme vous voulez. Vous voyez? Et je vais coudre. Voilà le résultat obtenu. Ensuite, je vais venir relier tout le contour de ma robe parce que je l'ai divisé en deux. Je vais maintenant relier le bas et le haut. J'ai tout simplement cintré un peu le haut. Et je vais passer le tout sur la machine. Voilà. Et le résultat obtenu. J'espère que cet habit de cérémonie, cet habit élégant vous plaît. Je vous envoie de gros coucou. Je vous remercie pour toute la force que vous me donnez sur mon canal. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye bye de nouveau.